la rencontre des acteurs de l'apprentissage. Apprenti à BTP CFA Vendée, entreprise formatrice et maître d'apprentissage nous racontent leur expérience, leur choix et leur métier. J'ai choisi l'apprentissage parce qu'il y a plus de pratique. Alors l'apprentissage, ça me permet d'être dans le concret. On apprend des choses sur le chantier qu'on n'apprendra pas forcément au lycée. On m'a incité à aller en apprentissage parce que j'étais très manuelle. Si j'ai fait le choix de l'apprentissage, c'est parce que je n'aimais pas trop l'école. Je préférais avoir une expérience en entreprise et alterner les cours avec cette expérience d'apprentissage. C'était plus valorisant au niveau des entreprises pour rentrer dans la vie active. Le salaire à la fin du mois, c'est un grand plus parce que comme ça, je peux acheter des outils. Dans la vie de tous les jours, ça m'aide aussi. La relève de demain se forme aujourd'hui et BTP CFA Vendée rassemble les meilleures conditions de formation grâce aux équipements performants et à l'équipe pédagogique qui veille au bon déroulement de la formation. Ici, on voit les granulés qui commencent à descendre et on renvoie sur le réseau directement l'alternatif. La porte faisait combien ? 10 dans un sens, 10 dans l'autre et on change de bras. On va alimenter les organes avec le sang. Avec les formateurs au CFA, ça se passe bien. Ils prennent le temps de nous expliquer les choses. Ce qui fait qu'on s'intègre vite puis on a envie de travailler. Ils sont vraiment complémentaires de ce qu'on fait en entreprise. J'ai été très bien accueillie par les formateurs. Ils ont mis en place un planning aménagé du fait de mon cursus scolaire. Au CFA, ce que j'aime bien, c'est que les cours sont variés. On a une relation beaucoup plus professionnelle qu'avec un prof de lycée. Les formateurs sont toujours derrière nous pour nous aider à progresser. Au CFA, les jeunes et les entreprises ont à disposition des services de qualité. Entretenir de bonnes relations avec les apprentis, mais aussi avec leurs entreprises, est primordial pour le CFA. Donc avec le CFA, on entretient une relation, on se tient au courant toutes les semaines par le livret d'apprentissage que l'apprenti me transmet. Donc on voit ce qu'il a fait lui dans sa semaine d'école et moi je lui indique ce que lui fait dans sa semaine de travail. Donc ça fait un échange avec ses professeurs, on échange dessus, on voit sa progression de semaine en semaine. Je pense qu'on prend les apprentis depuis la naissance de l'entreprise, c'est dans la culture, ça a été inculqué par mon père, moi derrière. C'est vraiment le sens de l'entreprise de former des jeunes pour petit à petit prendre la relève. Et là, on est dans une grande phase, on a 4-5 apprentis qui arrivent en bout et qu'il va falloir intégrer dans l'entreprise. Le rôle du maître d'apprentissage est essentiel pour l'apprenti. Il lui permet une bonne intégration dans l'entreprise et l'accompagne dans son parcours de formation. Mon intégration s'est très bien passée, son ouvrier est super sympa, il met tout de suite bien à l'aise. Il regarde ce que je fais en cours, il regarde beaucoup mes notes. Dans mon entreprise, tout se passe bien, mes collègues et mon patron sont très gentils. On y va étape par étape, on va pas trop vite, donc j'apprends vraiment les bases parce que moi, c'est un métier nouveau pour moi. Les relations sont bonnes, la communication est bonne, on peut passer par l'écrit lorsqu'on ne se comprend pas. Moi, je fais des efforts de communication et lui aussi, ça se passe bien. Il continue de nous apprendre des choses toutes les semaines, en fait. Donc, ça se passe très, très bien. De nombreux jeunes choisissent de suivre un parcours complet en apprentissage pour monter en compétences. J'ai d'abord commencé par un CAP en peinture, puis là maintenant je suis en train de faire mon BP. Donc moi j'ai commencé par un CAP installateur thermique, ensuite j'ai fait un BP sanitaire. Après un CAP chauffagiste, suivi d'un bac pro chauffagiste. Je me suis réorienté et j'ai fait un bac pro ELAC. J'ai obtenu mon CAP installateur thermique et suite à ça j'ai continué sur le BP monteur installateur en génie climatique et sanitaire.
En multipliant les formations, les apprentis acquièrent une réelle expérience, leur permettant d'évoluer dans l'entreprise. Depuis l'âge de mes 15 ans, l'évolution a été que on m'a laissé de plus en plus d'autonomie. Je me déplace quand il y a des fuites en sol, par exemple. C'est moi qui vais faire les relevés sur les chantiers, estimer le temps, les matériaux qu'il va falloir utiliser. L'apprentissage n'a jamais été aussi moderne. Il permet aujourd'hui aux familles et aux jeunes d'avoir la garantie d'une formation de qualité, au plus près des besoins des entreprises, avec des diplômes reconnus par l'État, avec des parcours de formation qui peuvent les amener vers l'enseignement supérieur, des formations gratuites, une rémunération et un accompagnement éducatif. L'apprentissage à BTP CFA Vendée, c'est vraiment la clé du succès. Aujourd'hui, pour vous qui entrez dans la grande famille du bâtiment, voici quelques conseils. Ce qu'on demande à un apprenti au départ, c'est d'être intéressé, de chercher à comprendre, de regarder comment ça marche. J'attends d'un apprenti qu'il soit motivé, à l'écoute. Son métier, c'est quand même toute sa vie, donc vaut mieux qu'il prenne bien le temps de réfléchir avant de faire quelque chose. Il y a des retours en arrière possibles. J'ai l'expérience, j'ai un souvenir d'un jeune qui a fait un CAP de chauffagiste. Et puis au bout de 2 ans, il m'a dit « c'est pour ma voie, je veux partir dans la maçonnerie ». Et je lui ai dit « vas-y, fonce ». Et maintenant, il est ouvrier maçon et il aime ça. Vous allez bénéficier de l'expérience de gens qui connaissent le métier, que c'est une énorme chance, qu'il faut en profiter chaque jour. Les gens qui connaissent le métier sont heureux de transmettre, mais il faut qu'ils sentent que le jeune est aussi heureux et il est motivé pour se former auprès de ces gens-là. Je pense qu'en étant jeune apprenti, il faut surtout observer la façon de travailler et de poser des questions si on a des questions à poser. Je dirais de foncer en apprentissage, car l'apprentissage c'est rémunéré. On a une formation professionnelle avec l'entreprise et une formation au CFA. Alors le conseil que je donnerais à un jeune qui veut se lancer dans un apprentissage, c'est qu'il faut le faire, mais il faut le faire sérieusement. Parce qu'à la fin du mois, on gagne un salaire. Le patron nous donne ce salaire et pour avoir ce salaire, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut travailler.